Coucou les petits picards. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de mes cadeaux cartes reverse de mes amis. Parce que comme vous le savez, j'essaye d'avoir le master set en reverse. Et grâce à mes amis youtubeurs, j'arrive à progresser à grands pas. Il ne me reste plus que 16 reverse à avoir. Franchement, j'ai bien avancé, je suis très très content. Et en même temps j'avais envie de faire une facecam, ça fait un petit moment. Pour les nouveaux abonnés qui m'ont jamais vu, au moins ils me voient. Parce que c'est vrai que ça remonte à un petit moment quand même, j'ai pas fait de facecam, mais bon, c'est pas toujours simple avec les angles de vue, on va dire, parce que des fois pour des cartes c'est pas facile à montrer. Mais là, comme c'est des reverse, je vais réussir à les montrer. Alors, je voulais d'abord remercier mes amis Red and Blue, Dragon Poké Center, Isabelle, Isa Poké, c'est parce que avant c'était Miss Pikamesh, maintenant c'est Isa Pokémon. Et aussi Jeffou, mon ami Geoffrey. C'est Jeffou Pokémon. C'est grâce à eux que j'ai toutes ces nouvelles cartes. Bon, je vais vous montrer. Attendez, que je me trompe pas. Voilà. Alors, la magnifique Reverse Aquatique. Alors, que je me trompe pas à chaque fois. Hein. Ça, c'est mes amis Red and Blue. Après, il y a Mew, aussi c'est de leur part. Alors, ils m'ont mis dans des sleeves, comment dire. J'arrive plus à trouver mes mots. C'est l'émotion, ça. Dans les sleeves des trois oiseaux légendaires de l'ETB, que j'ai pas pu ouvrir parce que moi, j'ai pas réussi à en avoir, mais bon, c'est pas grave. Je vous les montrerai plus tard, parce que je les ai mis, bien sûr, dans des cartes comme ça. Légende brillante, j'allais dire n'importe quoi, destinée au culte. J'ai mis bien sûr sur mon Articodin EFA et les trois oiseaux que j'avais eu en GX. Au moins ça ressort bien, c'est dans le même thème et ça fait super bien. Alors, je vous les montrerai, vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, parce que je pense avoir d'autres cartes destinées au culte. J'espère. Et même si je les ai pas, je vous les montrerai dans une autre petite vidéo. Cela, vous savez, le thème, hein, c'était bleu marine, comme je vous avais dit. Alors là, c'est une énergie psy. C'est mon amie Isabelle. Après, nous avons une énergie comme ça. Hein. C'est mon amie aussi Isabelle. C'est une énergie obscure. Ils sont vraiment belles. Hein. Et là, on voit bien sous les sleeves la brillance. Ça fait même un sacré reflet. Après, nous avons dernière chance d'Auguste. Alors ça, c'est mon amie Dragon. Après, nous avons Magica, c'est aussi Dragon. Parce que bon, sa chaîne c'est Dragon Poké Center, il aime bien qu'on l'appelle Dragon. Après, nous avons Melodelph. Alors, après, j'ai des doutes hein, si je me trompe dans les cartes. Je sais que c'est ces quatre personnes là, mais j'ai un doute entre Jeffou et Geoffrey et Dragon. Melodelph, je crois que c'est aussi Dragon. J'ai un doute. Détermination d'Ondine, c'est Dragon. Smogo, Dragon aussi. Vaillance de pierre, c'est Dragon. Analyse analyse Pokémon, je veux dire. Analyse de Léo, c'est Dragon aussi. Et j'adore vraiment les reverse avec les Pokéballs, tout ça. Vraiment, ça fait super beau sur les dresseurs. Le petit Ronflex. Ça c'est Jeffou. Rondoudou, c'est Jeffou aussi. Alors je vous mettrai les 4 chaînes en lien de description les amis. N'hésitez pas à aller les voir. Reptincelle, c'est Jeffou aussi. Parce que franchement c'est des super youtubeurs, aussi des super amis. Hein. Parce que voilà, moi je fais vraiment les échanges avec vraiment les amis. Et ça fait vraiment, comment dire, un souvenir en même temps, parce que bon, ça fait des cadeaux, ça fait des échanges. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des liens comme ça. Et on est quand même sur la chaîne plus de 850, ça me fait super plaisir, franchement. Alors, je voulais encore vous remercier pour ça, les amis. Un petit Crisacier, ça c'est Jeffou, c'est sûr. L'énergie foudre, Jeffou. J'adore, hein, bien sûr, hein, vous le savez, hein, énergie foudre Pikachu. Hein. Smogogo,
Jeffoussi. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que des fois on me le redemande, mes Pokémon préférés, en même temps je réponds encore à la question, c'est bien sûr en premier, sur le même pied d'égalité, il y a Pikachu, bien sûr, parce que j'ai le même Pikachu, j'adore Pika, c'est normal. Après j'ai Noctalie et les Fenards des deux formes. Et bientôt je pense avoir un nouveau coup de cœur pour Ponyta de Gaia. Je trouve qu'il est super beau. Alors j'espère que le Galopa sera aussi beau, parce que je pense que ça sera un coup de cœur. Et la dernière carte, c'est une holo. C'était la dernière holo qui me manquait. J'ai mis sous Top Loader. Parce que vous savez, tout ce qui est holo, GX, Shiny et Full Art, bien sûr, sont sous Top Loader. Alors, pour ceux qui veulent savoir, du coup, bah, Articodin, il est sous sleeve comme ça, hein, effort, et sera dans une sleeve avec les trois oiseaux. Je remplacerai la bleue par celle qui m'a offert Red and Blue. Bah les deux, ceux qui m'en ont offert deux, c'est bien. Ceux comme j'ai Articodin et les trois oiseaux, c'est parfait. Alors franchement, c'est des super belles cartes, parce que ça fait hyper plaisir. Alors vous savez, c'est dans mes trois boxes différentes, parce que j'ai la Pokébox, bah bien sûr, Raichu, Léviator et Dragofeu. Dracofeu, excusez-moi. J'ai tendance à dire toujours Dragofeu, mais bon, c'est Dracofeu. Hein. Et en fait, dans Dracofeu, il y a tout ce qui est Reverse. Dans Léviator, tout ce qui est Holo GX dans mes Top Loader. Et l'autre Pokébox, c'est où il y a mes 4 boosters, parce que les illustrations différentes. Et les cartes comme ça, qui ne sont non Reverse. Parce que j'ai fait, bien sûr, ma liste. Et aussi, bah, ceux qui me manquent. Bah, la liste de mes manquantes, excusez-moi. Au moins, franchement, c'est bien. Et n'hésitez pas à aller voir aussi sur Twitter, ma page Facebook et aussi mon Instagram, parce que des fois, je poste des ouvertures. La dernière fois, je me suis fait plaisir, bah, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, j'avais envie d'ouvrir du Harmonie des Esprits. Hors caméra, j'avais envie de faire une petite ouverture, vous savez, des fois, se faire plaisir comme ça. Et je me suis dit, bon, j'ai avoir une pioche nulle, c'est pas la peine d'en faire en vidéo, ce défaut on ne sait pas. Hein. Et en fait j'ai fait hors vidéo et c'est là que j'ai eu 4 ultra sur 8 boosters. Alors je me suis dit c'est une blague. Ça aurait fait une super vidéo, mais c'est pas grave parce que je les poste aussi. C'est le jeu. L'important c'est d'avoir les cartes. Et je veux dire, au moins vous voyez qu'en vidéo. Si j'aurais toujours des ultras, ça serait vraiment bizarre. Parce que voilà, moi je pose vraiment les vidéos, même si j'ai des mauvaises pioches, c'est pour partager avec vous les cartes, même les communes, peu communes, tout ça. C'est vraiment du partage. Alors c'est un peu une vidéo présentation, une petite vidéo aussi blabla. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé face à face, entre guillemets. Et c'est vrai que ça fait super plaisir parce que la communauté a s'agrandi. Franchement, j'ai plein de cadeaux, ça fait hyper plaisir parce que vous n'êtes pas obligé. Même m'envoyer franchement des reverse parce que quand on voit le prix des reverse, franchement, il y a des gens, ils abusent. Hein. Tout ce qui est eBay, Amazon, etc. Au moins, je cite un peu tout, au moins, il n'y a pas de publicité, entre guillemets. Mais voilà, mais là, quand vous me faites des cadeaux comme ça, ça dans ma collection, je les présente. J'essaye de vous faire... des petites dédicaces, tout ça, pour que ça vous fasse plaisir. Et j'espère vraiment que mes abonnés iront voir aussi vos vidéos, etc. En fait, c'est un échange, c'est un cercle d'amitié. Alors, je vous fais de gros bisous, les petits Pika. Je vous aime très, très fort. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Et avant de vous quitter, ouais, j'avais encore quelques trucs à vous dire. J'ouvrirai sur ma chaîne, bien sûr, du Cosmic Eclipse, la nouvelle extension qui sort au mois de novembre. Elle sort le 1er novembre. Alors, il y aura plus de 236 cartes. Vous imaginez, c'est énorme. Ça va être dur à compléter. Alors, j'ai commandé une ETB, 2 tripacks et des boosters en loose. Alors, j'ouvrirai avec vous. J'espère vraiment avoir au moins... sur 20 boosters, parce que c'est 20 boosters en tout, j'espère avoir au moins 3-4 ultras, parce que franchement les ultras de cette série sont magnifiques. En gros bisous, à très vite, bye.